Le jour même, le cabinet de la présidence du Cameroun a déclaré qu'un double attentat suicide avait tué au moins 13 personnes et blessé 32 autres à Maroua, capitale de la région de l'extrême nord. La première explosion s'est produite dans un marché et la seconde dans un quartier densément peuplé. Ces attentats surviennent au moment où la force commune entre le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin est sur le point d'être déployée à la fin du mois de juillet pour combattre les activistes de Boko Haram.